Vers 2h ce matin, un feu éclate mystérieusement dans la salle des machines du cargo vapeur Conestoga. En attente dans le vieux canal Gallup, en amont de Cardinal, sa cargaison totalisait près de 1400 tonnes de blé. Quelques heures plus tard, en dépit des efforts sur le pont par 22 hommes d'équipage pour maîtriser le brasier, la décision est donc prise d'évacuer la vapeur hors du canal. Plus complexe que la voile, la vapeur apporte une autre dimension au transport, favorisant des horaires plus réguliers. Qui dit vapeur dit aussi charbon, chaleur, combustion et parfois même incendie. Élément essentiel à la navigation, devient un maillon décisif au progrès économique et l'être humain, avide de recherche, crée alors de nouvelles opportunités pour ses besoins. Lancé le 6 juillet 1878 par la firme Quail & Son, le Conestoga s'inscrit donc à cet essor commercial au profit de la Anchor Line Seas à Cleveland. Les journaux lui portent des lauriers tant à sa construction en bois que sa force, sa durabilité et son esthétique navale. Une saine alimentation au charbon le propulse à 8 nœuds, alors que son gabarit de 80 mètres par 12 mètres fait de lui un modèle idéal. Poursuivant sa carrière entre fleuves et grands lacs durant plus d'un quart de siècle, il est vendu en 1906 à la Crosby Navigation Company. Puis, une compagnie canadienne de Sarnia, la Lakeport Navigation Company, s'emporte acquéreur en septembre 1919 jusqu'à cette nuit funeste. S'étant consumé peu à peu, le Connie, familièrement appelé par certains, dériva et coula ici le 22 mai 1922 à 20 mètres de la rive. De nos jours, sa cheminée demeure l'unique témoin visuel de son existence, tout en lui servant d'épitaphe. Après plus de 80 années immergées à faible profondeur, courant, glace, pilleurs et pollution auront sérieusement altéré son profil. C'est grâce au groupe Save Ontario Shipwreck de la division d'Ottawa que cette épave fait l'objet d'une étude en 1982 et 83. Leurs objectifs est de dresser un bilan historique, de mettre en plan la coque ainsi que les composantes qui s'y rattachent, tout en révélant des informations privilégiées sur son passé. Afin de mieux la connaître, voici une façon intéressante de visiter l'épave. Dans un premier temps, glissez-vous à l'eau et nagez en surface jusqu'à la cheminée. Un courant variable de 1 à 2 nœuds vous entraînera jusqu'à cette structure. À l'approche de la cheminée, il devient évident que plusieurs composantes sont aujourd'hui manquantes. En effet, toute la section supérieure a présentement disparu. Il est étonnant de constater que la partie de la cheminée, visible hors de l'eau, correspond à la section qui émergeait jadis du pont du navire.
Ensuite, glissez-vous lentement le long de cette structure pour visualiser de plus près la partie inférieure de la cheminée. Lors de la descente, vous aurez droit à une vue d'ensemble de ce qui était jadis la chambre des machines. Ensuite, sur l'arrière du cargo, à quelques mètres, le gouvernail. Au premier plan, vous avez le safran, prolongé par la mèche, servant de corps au gouvernail. On peut voir ici la surface plane du safran. Le safran servait à diriger le bateau et était localisé juste derrière l'hélice. De cette hélice saisissante, il ne reste plus que trois pales, une ayant été dynamitée par des pilleurs sans scrupules. Remarquerez en référence au plongeur la dimension de cette imposante hélice de plus de 4 mètres. Selon la saison, une visibilité de plus de 5 mètres est au rendez-vous. Au passage, nous saluerons la partie inférieure de la cheminée, le condenseur, élément de la salle des machines, servait à condenser la vapeur. Placé juste à côté de lui, cette immense cuve cylindrique est la chaudière, génératrice de vapeur d'eau. Sur les côtés de la salle de machine, on peut remarquer le bois calciné, résultant de l'incendie. Quelques tire-fonds en place retiennent de ce qui peut être à l'origine le bordé intérieur. Au milieu de poutrelles, servant jadis de support au pont supérieur, aujourd'hui disparu, ce brochet maillé semble se chercher une issue. L'épave étant parallèle au rivage, dirigez-vous vers l'avant face à un courant de 1 à 2 nœuds, ce qui empêchera toute particule soulevée lors de votre passage de masquer vos observations sur les éléments de sa structure et de ses occupants. On peut remarquer ici que le pont supérieur a totalement disparu.
Il serait prudent de bien visualiser son déplacement en raison des obstacles majeurs pouvant occasionner des dégâts matériels. Un peu plus sur l'avant du bateau, le treuil, ou guindeau, servait à actionner la chaîne de l'ancre, qui, elle, est toujours en place au fond de la coque. Quelques amis plongeurs s'avancent sur l'étrave pour observer du mieux l'immense architecture. Sur l'avant de cette coque, usée par le temps, l'étrave, dressée bien droite, semble nous montrer un nouveau cap à suivre pour les générations de plongeurs à venir. Son ancre d'un modèle particulier, ayant franchi la frontière, orne désormais la pelouse de ce motel à Ogdensburg. Il semblerait que des efforts soient déployés pour rapatrier cette valeur symbolique du patrimoine maritime en sol canadien. Aujourd'hui, une mécanique plus moderne propulse la nouvelle génération de navires marchands issus de gènes similaires au cargo-vapeur Conestoga. Lui-même descendant du tout premier vapeur commercial en Amérique, le Clermont. Et c'est ainsi que l'histoire maritime laissera sous son sillage quelques faits marquants à visiter. Soyez prudents et bonne plongée à tous.